Américains. Les Américains? Norbert! Simone! Les Américains, ils sont là! Quelqu'un parle anglais ici? Bon. Eh ben, ça commence bien. Étienne, viens vite, viens! Léon, tu vois pas que j'attends les Américains? Les Américains, ils sont à la caserne, les Américains! Allez, monte vite, on a besoin de toi, là! Enfin, Léon, j'ai les charges, je vais pas monter là-dedans! Non. Blackjack, la table est ouverte! 7-Eleven, come on, boy! C'est pas une bonne idée! C'est pas une bonne idée, mais je rêve! C'est Las Vegas! Harry, les hommes qui meurent et les hommes qui deviennent riches. Moi, je veux devenir riche. Et toi? Et moi, je veux pas mourir. Sylvette! Oh! Là, dès que je l'ai vu avec son petit chapeau, le panneau d'Angers s'est allumé dans ma tête. C'est amoureux? Ben oui. T'as juste 50 ans, et ben je me sens plus jeune que mon fils, c'est pour dire. C'est la military police. Quand il ne veut pas voir, il ne voit pas. Avec 10%, il est aveugle. Dis-lui 5% rien qu'il est bon, il va. 5%, OK? 5! Putain, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, je n'ai jamais dit qu'on faisait travailler les filles, dis donc. Moi, j'ai un commerce, là. Je croyais qu'elle marchait comme une fusée, cette voiture. Même les ânes, ils nous doublent. José va vous donner de la farine, un peu d'huile. Et après, tout le monde au travail, hein? Merci, monsieur Étienne. T'es gentil comme ton père. Légitime défense, monsieur le maire. On le mettra dans le rapport. Léon, je suis le maire! Demain, si je veux, il n'y a plus de Castelli, plus de marché noir, plus rien! Si tu touches un cheveu de mon gars, c'est la guerre entre nous. Les Américains, ils donnent, moi je prends. Et quand ils essaient de m'empêcher? Sors si tu es un homme! T'as toujours été bon qu'à ça. À venir grappiller mes restes, dès que j'ai le dos tourné. Quelques jours, vous avez eu le son. Maintenant, voilà les images. Et dans quel coin il vous a semé? Dans le métro. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Réponds, commissaire, fais que parle! Mais où tu es, là? Dans le métro. Surtout ne bouge pas, on arrive. T'as une bonne tête. Vous y fiez pas trop. Écoutez, je le connais pas, ce mec. J'ai vu ce matin, il m'a vendu son costard, c'est tout. C'est moi que vous voulez? Ouais. Eh bien, vous ne m'aurez pas. Ah, on n'est pas bien, là. Je n'apprécie pas votre humour, Fred. Subway. Aujourd'hui, vous avez les images. Le film, c'est pour le 10 avril.
scandale de la galette du roi. Le scandale ! Quel scandale ! Mesdames et messieurs, bonjour. La seule chose que je vous demande, c'est de tenir au moins 3 minutes. Écoute, Léo, on est invité dans un endroit où tout le monde rêve d'aller. Tahiti, c'est Roubaix à côté. Oh, Arrête-le ! 3 000. 6 000. 5 000. Tout est arrangé. Je n'aurais pas confié l'exclusivité au premier venu. C'est ma fille, après tout. Le sud de l'île, c'est la dot de la princesse, et vous l'avez déjà vendue. Il y aura 12% pour moi. 100 millions de dollars pour ce tas de cailloux. T'as piqué l'argent de la Croix-Rouge ? Et le 6, à cheval. 500 000 dollars. Ah, ma mère, le nez ! Ma mère, le nez ! Ma mère, le nez ! Qu'est-ce qu'il dit ? Ma mère, le nez. Et j'ai retrouvé Léo, à poil, sur les toits. Il sentait chez la princesse. C'est-à-dire qu'il a baisé la princesse ? Sauter, ne pas sauter, c'est la question. On arrête. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Stop, le boubou-labo, stop, c'est comment ça finit ce genre de truc. Je veux personne d'autre que lui. Parce que sans la marier, un mariage, c'est quand même très difficile. Celui qu'elle aime. Enfin, celui qu'elle me fait croire qu'elle aime pour que je comprenne que c'est moi qu'elle aime. Part pour toujours. Pardon à tous. Signé, Maria Elena, ex-princesse de Corsalina. Rêve. Il adore faire le clown. Hein, les autres. Besos, locos por mi amor. Besos, locos por mi amor. Besos, rogo de tu calor. Besos, rogo de su calor. Besos, rico de tu sabor. Besos, rico de su sabor. Moi j'arrive pas, mais alors vraiment pas à croire cette histoire. Y croire, ne pas y croire, là est la question, je ne sais que vous dire. Il y a une chaleur terrible aujourd'hui. Les gens, ils accepteront pas de voir une poule comme toi qui vit dans cette maison avec deux hommes, dont un idiot. Pour eux, t'es qu'une pute qui a flairé le gros lot. T'as pas encore demandé de se marier ? On devrait se marier ? Non. Personne viendra me faire chier chez nous. On fera tout comme tu voudras. Forte chaleur et orage annoncé. Tu allais dire qu'ils vendent sa saloperie de baraque, hein ? Je suis chez moi ! L'été en pente douce, un film de Gérard Kravzik, lundi à 20h50 sur France 5. Disponible en audio description. Tu veux parler du sexe ? Au scandale ! Ça tente à vite ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! T'es gravé ! Taré ! Taré, va ! Taré ! Hé, mon père, qu'est-ce qui se passe ? C'est Mocky qui fait encore un film ! Mocky ? Oui ! Non, c'est pas vrai ! Si ! Mais un film sur quoi ? Sur le cul, mon fils ! Oh, le saligo ! Il a osé ! Hé ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Faudra lui arracher les yeux. Et lui bouffer les couilles. Oh oui, moi. Mais non, il y avait bien une scène de sodomie dans le film. Je sais pas, en tout cas, j'ai vu deux gars qui s'en manchaient comme des bêtes. Il y avait deux lesbiennes, dis donc. Il paraît que deux frangines se dégustaient la coche trésor. Oui, mais il assassine la société, le salaud. Mais ouvre-moi. Ouvre-moi, ils vont me tuer. Je vais pas me faire lyncher pour tes conneries, Jean-Pierre, écoute. Mais tu es le producteur du film. Le voilà, là-bas. We'll be right back.
On s'est connus au lycée, mes copains et moi, en 1964. Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec Tellipton? Le prof d'anglais? De cette expédition homérique est née une amitié de 20 ans, qui nous a entraînés dans toutes les aventures les plus intéressantes qui soient. Le rock'n'roll. Ouais, toutes les filles ont les oreilles. La prise de conscience politique. Libérez Angela Davis! On n'est pas au Vietnam. L'éveil psychédélique. Sur le nerf de bœuf, il y a des voyous. La révolution sexuelle. Qui couche avec qui? Imane Guido, c'était sur le ciel, lui qui a voulu me déshabiller. Ça m'a laissé. Bon, ça n'a pas toujours été facile à vivre, d'accord. Surtout dans nos rapports avec les femmes. Ouais, il va pas foutre en l'air tout le travail de la compagnie pour une histoire de cul très limite quand même. Mais on était tout de même des pionniers. Et si c'était à refaire, on le referait. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil? Elle s'est mariée avec ce gros con et ils sont en pleine scène de ménage! Je t'en supplie, saute là! Alors là, si ça doit être règlement de compte à OK Corral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Qui sommes-nous devenus? Toi, de toute façon, t'avais rien à droite depuis que t'es du pognon. Avons-nous perdu nos rêves? Il paraît que t'es devenu un dentiste bourgeois! Bonjour, pourquoi donc je suis conventionné? Et je suis romancier aussi à mes heures. Tu penses que je suis un raté? Sommes-nous encore capables d'un grand amour? Bernadette? D'amitié, de générosité, d'intelligence, de clairvoyance? Au fond. C'est assez passionnant, une dent. Je baisse plus depuis 83. Je peux pas laisser une copine qui crée SOS. Ce sont vraiment mes meilleurs copains, et vous devriez les adorer pas mal, vous aussi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. C'est le scorpion tout craché, Georges. C'est-à-dire? Ouh, mais c'est le pire des signes. Merci, tu m'as bien aidé. Tout le monde s'en fout de cette soirée, hein? Champagne! Ramenez-vous les gars, il est en train de les partouser là, toutes les trois. Là. Comment ça, partouser? Non, non, c'est des conneries. Là. Il est fou. Mais écoute, Charlotte, mais on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, était quand même plutôt affranchi. Ah, c'est jupe à ras-le-bonbon, là. Mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux? Oui, et ben, on est tous dans une situation délicate. La vie est une situation délicate. À part ça, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Si vous aimez les réunions de famille... Vous voulez boire quelque chose? Hein, vous buvez quelque chose? Qu'est-ce que t'as? Tu es fatigué? Est-ce que vous buvez quelque chose? Si vous aimez votre belle-sœur... C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Si vous aimez votre patron... Ça va, Denis?
Hein? Pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies le genou ou... Eh oui. Ouais? Ben, il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste, là. Si vous aimez les bêtes... À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Si vous aimez les déjeuners de famille... Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là, comme ça, autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec, mais... Tu sais, le poisson. Encore une laisse? Eh non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Et si en plus vous aimez les anniversaires... Merci, restez chez vous. C'est un collier pour femme. Pour les autres. Un air de famille. Un film de Cédric Lapiche. On va arrêter cette... cette chose-là. Cette espèce de relation merdeuse. Cette relation merdeuse, tu dis? Cette relation à la con, si tu préfères. Ben oui, à la limite, je préfère. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. De me faire piquer ma gonzesse par mon chien. Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça. Un cul sans un... Il y avait un calendrier, un accord entre nous. Ne respectez pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont la conscience tranquille? C'est quoi qui fait la valeur d'un diamant? Sa perfection? Son prix? Vous connaissez cette histoire? Oui. Menteuse. Finir seul. Ça ne fait pas peur. Au contraire. Être un homme neuf. Quelqu'un à qui la vie offre une seconde chance. Et parle! Faut que ça m'angoisse pas, moi, de voir un type de ton âge passer ses journées à attraper des mouches, à jouer avec des revolvers, à mépriser ses enfants. Je rêvais d'un fils unique et j'ai eu deux imbéciles. Vous attrapez pas des mouches, vous? Je ne crois pas, non. Ah, vous devriez. Ah. À votre âge, on progresse très vite. J'ai 48 ans. Quand je vois mon visage, je pense à ma jeunesse. Et à ce que je suis devenu. Tu te couches pas? Non. J'ai les choses à ranger à la cave. À cette heure-ci. Aux États-Unis, ils appellent ça la middle life crisis. Une forme de dépression qui t'arrive vers les 40-50 ans quand tu prends conscience que le temps qui te reste est peut-être un peu plus court et moins intéressant que celui que tu as déjà vécu. Ça devient de plus en plus compliqué. À savoir. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh putain, c'est en verre. Ils sont affreux, ces costumes.
Non, non. C'est pas grave. Mais, on se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais je... Non, c'est aucune importance. On a juste couché ensemble. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Qu'est-ce qu'il y a? Va. 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 Ah. Va. 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 Yes, very good. Va. Va. Yes. Va. Okay. Va. Okay. Va. Va. Okay. Va. Okay, that's okay. Monsieur Castella, Antoine Bachelet. Santé. But I don't mind being touched by such a handsome guy. But... Bonjour. T'en veux des enfants hyper méga top cool? Bah ouais. Je crois pas que t'as assez bu. T'inquiète pas, je suis désolée. Ça m'a désolée d'un coup de te voir. Mais tout à coup, je me dis que si tu préfères, on peut tout laisser tomber. Mais quoi qu'on fasse, ça change rien. Moi, je t'en voudrais toute ma vie. Pourquoi tu m'en voudras toute ta vie? Parce que je t'aime. Parce que je peux pas me passer de toi. Gros. Vieux. Tout con. Moche. Il y a un test dans les sociétés de magnétiseurs dit le test de l'escalope. Il s'agit d'imposer les mains sur une escalope et de voir si on arrive à la cuire. Il n'y a pas une escalope au frigo par hasard? Non, pas d'escalope. Mais je vais chercher le fromage, tu pourras tenter une raclette. Si jamais je tombais amoureuse de quelqu'un d'autre, j'aimerais toujours François. Je suis sûre que je quitterai jamais. Tu crois que c'est possible, toi, d'aimer deux personnes? Deux hommes à la fois? Je sais pas. Ils savent que je suis la fille de machin, alors là, ça y est. Tout d'un coup, c'est plus les mêmes, je deviens très intéressante. Ah non, 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 on va pas commencer comme ça. Ah, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, hein. Oui. Allô? Pourquoi tu lui en veux à ton père comme ça? Tu en veux pas, j'ai envie de le tuer de temps en temps, c'est tout. Sébastien. Il veut du thé, Fabien? C'est pas Fabien, c'est Sébastien. Ah, j'avais le lien. C'est pas moi, je suis folle! Il y a du cyanure à la pharmacie, si vous voulez. Maintenant, il est parti au bout de 3 minutes, il est revenu à la fin pour applaudir. T'as pas écouté Lolita? Mais si, je l'ai entendu un peu au début. Je voilà.
c'est quoi, j'ai rien compris. Je voulais te voir pour te parler, mais je sais pas, t'as pas le temps, là. Mais si, vas-y, vas-y, dis-moi. Je sais pas, là, comme ça, on peut pas... Je peux te rappeler dans 5 minutes, hein? Je te rappelle. Vas-y, je t'écoute. C'est à propos d'un documentaire. Parce qu'en ce moment, je travaille avec un reporter, enfin, un documentariste. Quoi? Tu travailles avec un reporter? Tu travailles pas dans un restaurant ou dans un hôtel? Dans un hôtel, je suis réceptionniste dans un hôtel. Mais je fais ça pour Yves, c'est pas une vocation. À côté de ça, je fais des petits films depuis pour... Ah bon, tu fais des petits films? Mais c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec moi? C'est une série de films sur les femmes qui ont réussi. Les femmes qui ont réussi? C'est ridicule. Voilà. Et on pense à toi. Plus elle sera à l'aise, et plus elle parlera volontiers. Ouais. Donc là, quand elle arrive, je dis pas, dis donc, grosse connasse, tu te prends pour qui de nous faire attendre une demi-heure? Je dis pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain! Oh les enculés! Mais tu te rends compte? Ils font ça, ils cassent même pas un mot, rien du tout! Ils passent votre portable, ils passent pas le mien, ça passe nulle part. Non, ils passent pas. Bon, on fait quoi alors? Oh. On fait quoi maintenant? Il m'a vu, il a vu que j'avais besoin de lui, il a fait comme si. J'ai vu! Ah ben ça y est, il passe votre portable. Dans ce que je vous vois avec la main comme ça, on a l'impression... On dirait que... C'était pour rigoler. Jeudi, elle participe à un meeting, et si on veut la filmer, si on veut la suivre, elle est d'accord. Ah voilà, ça c'est bien. Qu'il y ait un peu d'action quand même, tu vois, qu'il n'y ait pas que Agathe Villanova tout le temps. Enfin, c'est quand même un documentaire sur Agathe Villanova, il faut que tu t'y fasses, putain, à un moment. Non, mais là-dessus, on est d'accord, je pense à la qualité du film. Maintenant, dans ma tête, là, c'est parti, je suis concentré, il n'y a rien qui va m'arrêter. Agathe Villanova, j'en ai rien à foutre. Si j'ai bien compris, l'obligation de respecter certains quotas a favorisé votre entrée sur la scène politique. Ça vous dérange pas? Pour ce qui est des quotas, je préférerais évidemment que les choses se fassent naturellement et qu'on n'ait pas besoin d'une loi. Je préférerais un monde idéal. Mais vous avez dû remarquer comme moi que le monde n'est pas idéal. Et qu'on doit contraindre les gens à se comporter correctement. Merci, c'est bon pour moi. Michel? Quand on veut. Comment ça, quand on veut? Je suis à filmer, là? Ah non, je vais pas filmer. Framboise, je te baptise. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Il est marrant, ce mec. Marrant? Bah, je sais pas, il a l'air un peu perdu, non? C'est un mec très bien, Michel. C'est une pointure dans son boulot, c'est un type en or. Je lui ai dit que mon père, il me prenait pour un con. Mmh. Bon, ben, il me prenait pour un con. Pourquoi je dis ça? Voilà. C'est le seul problème avec le pétard, justement, c'est que... Bon, on perd le fil et... Vous n'êtes pas senti aimé. Voilà, c'est ça. D'ici, lui, il emménage. C'est quoi, ça? Bah, c'est la semaine du fromage, t'as pas vu les têtes de gondole? Non, j'ai pas vu les têtes de gondole, non. Alors, Samir, tu commences demain? Oui. C'est dur comme boulot, hein. Cette semaine, ils sont en souris. La semaine du fromage. Tu vas voir, en bout d'un moment, on s'habitue. Hein. Je sais. La semaine de la volaille, ils vont mettre des plumes dans le cul, je crois. Pas mal, la petite casquette. Tu te fous de ma gueule, là? Avec un syndicat, ils oseraient jamais vous faire ça. Vous en avez eu un syndicat, vous. L'usine a fermé pourtant. Tu ressembles de plus en plus à ton père, José. T'as la même fossette que lui, là. Il était très beau, il avait beaucoup d'allure. Il avait le menton de Gary Cooper. Alors,
rapidement, tout le monde l'a surnommé Gary. C'est devenu son nom. T'es fait virer ? C'est moi qui suis parti. Ouais, c'est vrai, t'es fier, toi. C'est que tu veux rien foutre ! Non, je veux pas rien foutre, non. Je te dis que je vais chercher autre chose, tu comprends ? Papa ? Bah, il reviendra plus, José. Putain, mais c'est quoi c'est cette génération ? Vous êtes nés ici ? Il y a tout le temps à faire les malins, là, ouais, je vais retourner au bled, je vais retourner au bled. Non, mais ça va, ouais. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Qui a jamais foutu les pieds au bled ? Papa, moi, tout ce que je veux, c'est essayer de faire ma vie, c'est tout. Faut plus l'attendre comme ça. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton employé ? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes ? Je le renverse en voiture. Vous venez me voir ? Ouais, t'as deux minutes. Qu'est-ce que tu vas faire après ton stage ? Je sais pas. Ça te plairait de bosser ici ? C'est qui ? Un jeune en réinsertion que Jacques avait pris en stage. Pourquoi t'es habillé comme ça ? Il y a quelque chose de spécial ? Et tu l'as embauché ? Je t'emmène en ville. Enfin, pourquoi t'as fait ça ? Ça fait un moment qu'on envisageait de trouver un coursier. Il y en a jamais eu besoin ici. Mais qu'est-ce que t'en sais si j'en ai pas besoin ? C'est tout ce que t'as comme veste, t'as rien de plus chaud. Non, on va trouver autre chose. Il me touche ce monde. Trouve pas touchant, toi ? Si, si. C'est quoi cette voiture ? C'est la mienne. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Tu le traites mieux que ton fils. Oh. Qu'est-ce qui te prend avec ce type ? Merde ! Bonjour. Vous voulez un renseignement ? Bonjour. Il est au courant. Je voudrais parler au responsable de l'hôtel, s'il vous plaît. C'était qui, cette femme ? Elle fait une enquête sur un client qui est passé ici. Je dois interroger vos employés. Ah oui, je vois pas ce qu'ils vont vous apprendre de plus que ce que je vous ai déjà dit. Apparemment, il a disparu. Et comme la dernière fois qu'il a été vu, c'est ici, ben... Comment ça, il a disparu ? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Pourquoi M. Couvreur vous a changé de poste ? Je sais pas ce que vous cherchez, mais je commence à en avoir assez. Vous me faites perdre mon temps, là. T'inquiète pas, on peut lui faire confiance. Comment tu peux en être sûr ? Il a fait de la prison, quand même. C'est dur passé, non ? Non, bien sûr. Tu peux savoir ce que tu cherches ? Laisse-moi partir. C'est pas contre toi, Frédéric. Pourquoi tu me fais ça ? J'ai pas le choix. C'est simple, quelqu'un va peut-être avoir un problème parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler. Et maintenant, je dois le dire à ce quelqu'un et je ne sais pas comment. Alors, est-ce que je dois le dire ? Quel quelqu'un ? J'ai rien compris. Et voilà. Pourquoi tu ne fais rien ? Ça fait des jours qu'on a évoqué le problème et toi, tu m'as dit que tu allais bouger. Tu t'es bougé ? Tu m'écoutes ? Ce truc que tu dois faire et qui peut passer quoi ? Demander un service à mon père. Et qu'est-ce qui t'empêche ? Si je vends mal mon affaire, il y a quelqu'un qui va se retrouver en camp de... pas concentration... comment ça s'appelle ? Rétention. Zorica Velitskovic, à n'importe quel moment, au moindre contrôle, elle peut se retrouver dans l'avion. Qui va se retrouver dans l'avion ? Personne. Entre nous, tu as des rapports simples avec ton père ? Ben, j'ai des rapports simples avec personne. Et surtout pas avec mon père. De quoi il s'agit ? Tu dois te soulager. C'était pas trop dur avec ton père ? Vous avez l'air encore plus chiffonné que la dernière fois. J'ai été mieux. Putain, c'est pas possible, ça. Contrôle d'identité, présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Ah non, non, sur la désordre. Oui, mais j'emmerde vos ordres, moi j'emmerde la loi, je vous emmerde, c'est niette. C'est quoi cet esclandre ? Tu crois qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin ? Bah, il faut que tu m'écoutes. Je ne peux rien faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, et je développerai tout ça la prochaine fois. Ben, il n'est pas l'heure ? Méditez là-dessus aussi. Vous avez encore de cette admirable, admirable glace au thé vert. Tout de suite, monsieur le président. Papa. Est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes ? Oui. Ça fait de moi un homosexuel ? À droite. À droite. Serré à droite. Serré à droite. Ça va, y a rien de grave, on est vivant. Oh non, je suis pas capable de conduire. Je suis pas capable de... Je conduirai plus jamais. Vous pouvez très bien conduire, il faut regarder le rétroviseur simplement. Elephant goes like this, like contact, clignotant, rétroviseur. Bien sûr. Bah, on va passer là. Mais vous préférez pas conduire ? Mais je sais conduire, moi déjà. What a love.
rétroviseur, rétroviseur. Rétroviseur. Non, c'est pour regarder derrière le rétroviseur. Vous êtes dans mon bureau, là. Comme c'était vide. Voilà. C'est plus vide. Alors c'est vous, Nora. Nora Sator. Vous êtes parente de Serge Sator. Vous avez d'autres questions? Vous avez connu mon père? Il avait pour moi un profond mépris. À ton avis, tu en parles ou pas? Ah bah pas. Tu lui dis rien du tout. Déjà, l'ambiance ce soir, j'ose pas imaginer. Bon, et toi, ton boulot? Oui, bah quoi? Bah, je sais pas, t'as un nouveau boulot. Alors, est-ce que ça te plaît? Bon, depuis quand tu t'intéresses à ce qu'on fait? Nora, puisque le bureau à côté du mien se libère, je vous invite à vous y installer. Maintenant? Eh bien oui, maintenant, ça veut dire tout de suite, allez. Au boulot. J'ai un dossier urgent à traiter. J'aimerais votre expertise. Des esclaves, voilà ce que vous êtes. Et les esclaves, c'est sexuel. Il y en a que ça excite. Qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux? Ce sont cheveux que vent emporte. Vous avez fait la fête? Devriez essayer aussi de temps en temps. Enfin, peut-être que pour vous, la fête, c'est pas ça, c'est plutôt casser les gens pour les remplacer et aller plus haut. Moi, je suis joueur, alors je joue. Tu me sers plus à rien, alors revends tes parts et disparais. Je me souviens de tout. Et tu me hais toujours autant. Il marche! J'espérais que tu aurais d'autres ambitions dans la vie que de faire du fric dans une boîte de finances. Tu m'as déçu sur ce point, comme sur tous les autres, au fond. C'est un con, votre père. C'est un mec intelligent, mais c'est un con. En fait, t'as joué une super carte. C'est fort. T'es forte. Sim, François Sim. Trouve la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois. Ah oui? Ouais. Gabriel m'a dit que t'étais un excellent vendeur. Et voilà la merveille. Tête détachable. Tu veux essayer? Ouais. Oh là, quatre vendeurs partent aux quatre coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première sortie. Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. C'était d'appeler Emmanuel. La brosse en poil de sanglier. Et alors, je vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents? Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est mon école. C'est là que j'ai connu Ouija. Oh, tu l'aurais vu à 18 ans. Oh. Tu te souviens de ces vacances? Ça te plairait que je te fasse une brosse à dents? Vous faites quoi dans la boîte? On m'occupe de la vente. Continuez, 5 km. Vous êtes colporteur, quoi. Colporteur, vous parlez de musicien? Pardon? Ne dites pas que vous connaissez pas colporteur. Calcul en cours. Calcul en cours et ferme-la, connasse. Vous avez connu la solitude, vous? La vraie? Non. Pas spécialement. C'est ça que j'aime bien chez toi. Tu me juges pas. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort. Pas du tout, on était en pleine discussion, il n'est pas très bien. Monsieur! Vous croyez que c'est en rapport avec ce que je racontais? Oui, parce que ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Et oui, mais ça vient pas de nulle part, comme expression. Ouais. Ouais. Je vous le redis, là, une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, hein, on partage. Ouais. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. On garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça te va pas d'être vulgaire? Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh!
Qu'il vous roule. Pardon, il me fait peur, lui, là. Hein. Je vais voir toutes les mains en l'air, tout le monde est mains en l'air. Elle m'est pas dit. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. On a un client important qui nous a fait confiance, hein, pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je vais vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'ai dans la cuisine. Comment? Ah, pardon. Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit on se coordonne. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Quel moment magnifique. Les gars là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Mais ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Ah ouais, rien de grave, hein, même si ce cas, faut pas vous en faire. Hein. On va pas vous garder pour si peu. Qu'est-ce que j'ai alors? Ah ben je sais pas ça, moi, je suis pas médecin moi. Vous savez, ici, pour nous, c'est très simple, hein. Ou ça bat plus. Et en l'occurrence, ça bat. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. C'est vertige. Ne vous inquiétez pas, madame Siska, vous nous enterrerez tous. Vous enterrerez tous, je dis. Georges, si on s'en est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coudes et que j'ai pu compter sur un type comme toi. Ouais. Pour faire court, je pourrais pas vous payer ce mois-ci. Je pourrais pas. Excusez-moi, messieurs. On dirait que ça redémarre. Prenez un verre. C'est pour moi. Georges, je te présente madame Bartolo qui vient de perdre son mari. Toutes mes condoléances, madame. Non, c'est simple. C'est toujours tout droit en passant par le carrefour des Ravines. Carrefour des Ravines, ouais. Et puis ensuite, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est juste là. C'est encore loin? Ouais, je pensais que c'était plus près. Ils sont plus derrière nous, là. Comment ça? S'ils veulent pas nous suivre, tant mieux pour eux. Mais Georges, ils nous suivaient. Ils ont dû changer d'avis, qu'est-ce que je te dis? Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Hein? Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Ah, jamais. Quoi? Oh, putain. Ah, je crois qu'on a touché le fond, là. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir? Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas possible. Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresse, t'arrives, tu m'agresses. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? T'as vu, à 35 minutes de Paris. Et enfin, un vol d'oiseau. Hein. Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star? Ah oui, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc? Parce que je t'ai dit qu'elle passe chez Castro. Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue? Non. Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Non, c'est une afghane. Nous, on travaille, on se lève mais tôt. Mais moi aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point? Mais à la fois, c'est une fête, hein, on va pas chuchoter. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Tu souris? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Samantha! Elle est chiante, hein, cette patronne. Non? Tout le temps sur mon dos. Dites donc, vous, faut vous remuer un peu. Oui, bah oui, oui. Tu
peux pas l'enlever, une histoire de postiche. Papa... C'est ma vie privée, quand même, putain. Tu balances ma vie privée sur la place publique. Toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonflé. L'idole des retraités. Ah, ça t'a pas plu, ça, hein? Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux. La 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 la... Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand? La 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 la... Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Putain... C'est Jean-Paul là-bas. J'ai vieilli comme ça, moi aussi. Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là? La la... La la... On devait pas se retrouver devant le métro. Quelle heure il est? Midi 22. Oh, t'as raison. C'est à quelle heure l'enterrement? J'ai aucune envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Bonjour maman, ça va bien? Qui est encore celui-là? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah oui. Bah, c'est bien triste ça aussi. Bah, oui, bon... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je me suis dit que c'était peut-être important qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Elle est très néprosée, quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Bah, si, c'est un peu ça, quand même. Oui, c'est un peu ça. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, parce qu'ils sont pas tous... pas tous étanches, quoi. Pardon? Eh ben, on pourrait la prendre à tour de rôle chez nous. C'est pas une bonne idée du tout. Enfin, on a tous une vie. C'est bon, c'est bon. Quoi ça sert d'entêter comme ça? Je m'entête parce que j'aurais adoré que ma mère s'entête pour moi. Je suis pas très bon en famille. Tu vois bien avec les enfants. J'ai un peu merdé quand même. Je les aimais beaucoup, mes sœurs, quand j'étais petit. Je les voyais l'été à Saint-Julien. J'ai l'impression qu'on est tous éparpillés. Moi, j'ai besoin qu'on se rassemble pour être entière, pour être calme. N'empêche, quand on s'intéresse à elle, elle est contente. Mais je m'intéresse à elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je lui fais ses courses toutes les semaines, je lui fais livrer son repas le midi. Tu fuis, là. Tu fuis, comme tu as toujours fui, d'ailleurs. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais j'aimerais bien que tu me reconnaisses. De l'enfance, je me souviens que de Saint-Julien. Tu te rappelles, Elsa, comment on attendait ça? On n'aura pas tout raté, finalement. Non? Pas tout. Poder ya hablar contigo, que me embargó.